Les quatre individus interpellés ce matin en leur domicile sont placés en garde à vue au commissariat d'Ajaccio. Les hommes de la police judiciaire s'interrogent sur les faits survenus le 29 décembre dans cet établissement, la Part des Anges. Ce soir-là, quatre personnes surgissent à visage découvert et séquestrent le patron du bar où est organisée une soirée. De nombreux clients sont présents. C'est quoi, c'est un vol à main armée ou c'est plutôt du racket ? Le mobile nous sera décrit un peu plus précisément par les auteurs. C'est une des questions centrales, bien évidemment, du dossier de l'enquête. Mais on peut retenir, on sait que la qualification juridique, c'est un vol à main armée. On ne doit pas exclure un racket. Si c'était du racket, est-ce qu'on peut imaginer que c'est une bande structurée avec l'aval de personnes, on va dire, qui ont la main, ou plutôt une initiative de quelques personnes ? Alors, au moment où je vous parle, on a simplement quatre personnes qui sont mises en cause et on ne fait pas de lien avec une équipe un peu plus structurée. Ça ne veut pas dire que le dossier ne va pas évoluer, mais en l'état, on n'a pas ces éléments-là. Les quatre suspects qui ont entre 23 et 30 ans sont déjà connus de la justice. Dans cette affaire, les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures.